Salut les gens, c'est Slan. On se retrouve sur cette partie avec un énorme plaisir. J'ai expérimenté un crash en novembre 1547 qui m'avait fait arrêter la partie sur la version presse, la version release, mais le patch suivant a corrigé le bug et apparemment je peux passer le 2 novembre. Alors j'espère que ça va bien se passer. On va voir ça. Écoutez, on est en train de combattre l'Espagne. Aragon, Cariba, Grande-Bretagne, Portugal. Et tout ce que l'on veut faire, nous, c'est prendre un maximum de territoire ici. Voilà. Alors là, on n'a que 20 de. Voilà. Et par contre, si je me mets à prendre des conneries comme ça va me faire monter mon expansion agressive de malade. Pour autant, ça aurait été super de pouvoir s'avancer, par exemple, ici. Oui, bah, ça, on prend cher. Hein. Non, on prend très cher. Et si je prends là, c'est pareil, on prend très cher. Là aussi. Bon. Donc, le but de guerre, il est là. Hein. Avec très peu d'expansion agressive. Et on prend toute cette zone-là, la Reconquista de Naples. D'accord, normalement, Castille va céder à Naples, à Naples, à Naples, à Naples, à Naples, à Naples. Il faudra vérifier à bien leur redonner. Très bien. Et en même temps, ici, eh ben, on est censé pouvoir attaquer, déclarer la guerre, prendre l'Oldenbourg et supprimer ce centre ici. On en a encore deux à supprimer après. On fait ce qu'on peut pour neutraliser tout ça. Hein. Voilà, c'est parti. Alors, peut-être qu'il serait temps pour moi d'aller voir où sont mes armées. Mon armée est là. Ok. Et mon armée de soutien. Elle va se faire défoncer. Il faudrait que je l'amène vers là. Bon. D'accord. On va les laisser faire un petit peu. Alors, on a demander à nos troupes d'aller là-bas. Alors, voyons ça. Alors, il s'est écoulé 15 jours pour moi. Hein, donc, laissez-moi le temps de vérifier tout ça. Coût de conversion culturelle, point d'équilibre, d'éclair. Doctrine religieuse, on va le prendre. Retard calculé. Où sont les politiques? Ils ont encore bougé de place. Puissance démissionnaire, unité religieuse plus 20. Aucune raison de ne pas le prendre. Alors ici, du coup ça se passe bien, et ben c'est parfait. Guerre sainte contre tous les infidèles là. On lui a mis la misère. Ah non, il y a 14 déjà, donc on y va. Alors, on va rester comme conseiller à la cour. Faut travailler plus. Là, c'est une victoire douloureuse. On va maintenant aller là-bas. On essaye de continuer à maintenir. Pendant ce temps-là, nos troupes vont s'assurer la sécurité là-bas. Holstein a été pris. J'arriverai trop tard, hein, très probablement. Eh ben, pas forcément. Là, ils ont beaucoup de troupes un peu partout. On va donc rejoindre. On va stack wipe, c'est parfait. Et on va remonter en France. On va continuer à mettre la pression pendant que eux, ils sont en train d'aller là-bas.
Alors pour l'instant, ça passe pas, mais ça pourrait passer. Si quelqu'un se bouge pour passer. T'es à nouveau bloqué. On va poursuivre. Une question de droit. Hongrie reçoit ça. Et Pologne baisse, oui, mais en même temps. Hop. Pas de raison de se priver. On peut investir dans une technologie. Allez, on y va. Les mousquetaires. On peut recruter un conseiller. Amélioration des relations. On est à moins 21. Ok. Pour l'instant, on a ça. On va essayer d'aller là-bas. Et là, pour l'instant, ça ne passe pas. Portugal, Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, si je peux la sortir, ça m'arrange. Donc je vais essayer d'aller y mettre des baffes. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et ensuite, je retournerai voir l'Espagnol qui est sur le fort là-bas. Là, il y a quand même moyen que vous vous battiez un peu, non? Un strike wipe de l'anglais. Voilà. Là maintenant, ça va être autre chose. Tellement autre chose que je pense qu'on va pouvoir aller là-bas s'occuper de Lübeck. Séparatistes byzantins, quelqu'un va bien se décider pour aller les tuer. Est-ce que vous allez passer? Qu'est-ce qu'elle a lâché, Cologne? Allez passer. Dites-moi que vous allez passer. Donc, ici, Lübeck, je t'attaque, Brême-Hambourg-Rügen, purge de l'hérésie. Je vais pouvoir aller là-bas. Faire ça. Les Byzantins, pour l'instant, je m'en occupe pas. Là, j'aimerais toujours passer à un moment ou à un autre. Donc, toi, tu veux pas. On va rester, hein. Jusqu'à ce qu'il cède. Anhalt aussi, ils vont se révolter.
Un jour, quelqu'un va réussir à passer. Ben voilà. Ça y est, ils sont fichus. Parce qu'une fois que ça sera pris, on pourra passer comme on voudra. Tous les autres pourront suivre. Ok. Oui, je vais aller m'occuper des Byzantins. Il n'y a toujours personne ici. Ah, on a toujours les 32 Espagnols. On en est où des 32 Espagnols? Le score de guerre après 36 combats plus 7, c'est pas terrible. Les moyens d'aller chercher un peu de score de guerre. On peut convertir. Y a un truc qui m'inquiète dans cette conversion. Pourquoi je... Ah, je voyais pas l'autre. Donc là. Ensuite, pas ça. Ok. Bretagne, Volgas, Bamberg. Personne. Trêve avec le Danemark expiré. Offre de paix. Portugal, non merci. On va les mettre mal en plus, hein. Une guerre qui dure longtemps comme ça les met mal. Très bien. Moi, je vais redescendre ici. On a des séparatistes quoi? Napolitains. Ils vont faire le taf tout seul. On va aller attaquer eux. Eux, ils risquent d'attaquer là. Ils sont poursuivis de toute façon, eux. Les modifs qui étaient à leur d'ordre. Combien j'ai de mercantilis? On a encore un peu de temps au niveau du mercantilis. Ici, j'ai enlevé des monopoles. C'est dommage. Mais ouais, c'est un peu tôt pour enlever des monopoles. On va prendre des droits commerciaux exclusifs. Puis on va les enlever. Puis on va les remettre. 71. C'est toujours ça de fait. Hop là. Là-bas. Les séparatistes ici, ils ont été neutralisés. On a des nouveaux séparatistes ici. Lübeck. Refusé. Brême, demandez la paix. Non, réparation de guerre. Voilà. Regen et Hambourg. On verra ça juste après. Sais pas où ils vont. Qu'est-ce que je fais là-bas, moi? Aragon Castille, Mecklembourg-Rügen, comprend pas cette guerre. Ah oui, d'accord. Ok, si.
C'est la mienne, c'est la Moscovie. Allez, valide là, s'il te plaît. Alors. Qu'est-ce qu'il cède? Non, pas du tout, pas à moi. Pas à moi du tout. Un Naples. Encore un Naples. Encore un Naples. Et ça aussi, un Naples. On va attendre qu'il n'y ait plus personne dessus. Ça c'est fait. Là, bon, on a un peu de temps. Par contre, là, on va gagner ou on va perdre? On va gagner. Tout ça, c'est occupé par Naples. Naples. Et encore Naples. On attend un peu. Là, on a les rebelles. Mais je pense que ça devrait être bon. Naples, 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 Naples. Aragon, c'est Agrigente à moi. C'est quoi Agrigente? Ouais. On va attendre encore un petit coup, du coup. Ils se sentent pas obligés d'attaquer là. Ça y est. Sauf que maintenant, on n'a plus du tout le même score. Probablement parce qu'Agrigente doit être la cible de guerre. Naples. Allez. On recommence. J'ai 21. C'est au dada que j'ai peut-être un truc qui m'a été donné, non? Non, ça m'a pas été donné. 1200. Voilà. Beau. Il ne me reste plus qu'à rentrer chez moi. Et certainement pas en me farcissant les rebelles. On disait quoi à propos de l'autre guerre? Ah, regardez, on est en février 48. Ah, quel bonheur, j'ai même pas fait gaffe. Tout le monde se retire de la coalition maintenant que je suis plus en guerre. Regen, Regen, tu es catholique, donc réparation de guerre et pognon. Hambourg, tu n'es pas catholique, Hambourg. Ça, visiblement, ça ne fonctionne pas. On va donc pouvoir faire
pays menaçant, ma dépendance, un pays voisin. Et moi je rentre tranquillement. Ouch! L'Espagne vient de se former. Ben voilà. Moi, par contre, j'aimerais bien m'entendre avec l'Angleterre. Alors, on fait un peu d'argent, on fait un peu d'argent. Voyons, voyons. Voilà. Ça fait beaucoup d'argent. 4,2. Faire revenir. Rival. Je sais qu'on est rival, mais je voudrais vraiment t'améliorer au max. La manufacture d'armes. Redis-le-moi. Plus 4,57. C'est 4,57 de quoi? Pas d'argent, hein. C'est la production. Voilà. Mais non, je voulais pas. Sniff. Bah tant pis. Au moins celle-là, elle aura été faite. L'arc ou le mousquet. Ça sera toujours le mousquet. Alors ici, Hambourg. Hambourg, nous allons réparer et imposer la religion. Et quant à toi, Lübeck, on va prendre ça et imposer la religion. Réparer, prendre le fric. Voilà. Là, on a quelques rebelles qui sont en train d'être faits. On a un casus belli, purge de l'hérésie. Tout à fait. On en a un là, un là, un là. On va pouvoir purger l'hérésie un peu partout. Mais évidemment, ma priorité, ça serait de venir ici. Il faudra attaquer le Palatinat. Palatina, c'est compliqué, il faut le réduire à une province. Lui, par contre, c'est plus simple. Mayence, si je t'attaque. Nuremberg, Nassau, Constantberg. Nuremberg, j'ai peut-être un casus belli sur lui. Non. Nassau. Casus Belli. Constance. Constance ici. Pas de Casus Belli. Berg.
Je sais même pas où est Berg. Ça c'est ça, Berg. Déclarer la guerre. J'ai pas de casus belli non plus. Mittal en Autriche, ça c'est très bon. Allons voir ici. Presse imprimée, 1550. Allemagne du Nord. Peu de chance. Ensuite, contrebandier, j'aime pas ça. Ils aiment pas du tout les contrebandiers. Trop nombreuses. Garantie sur trêve. Ok. On a un problème. L'autorité s'effondre. Il y a 21 princes hérétiques. Et 6 provinces qui ne sont pas sous le contrôle de l'État. Ça commence à devenir critique. Ici, l'Angleterre, la Flandre. Va sûrement falloir attaquer la Flandre. Danemark, Aix-la-Chapelle, Munich, Münster. On a 4 provinces à reprendre. Et les hérétiques. Mais le problème que j'ai, moi, c'est vraiment les hérétiques. Il faut au moins que je supprime celui-là. S'il en reste un, on peut survivre à ça. Il faut que je m'approche de Mayence. Pour m'approcher de Mayence, il faudrait que je vienne prendre des terres à Cologne. Ou au Palatinat. Pas de casus belli, oui, je sais. Bon. Serait bon de venir le changer quand même. L'idéal, ça serait quand même d'attaquer Cologne. Parce que moi, j'ai pas d'emplacement. Cologne, puis Palatinat. Cologne, trêve avec la Hongrie jusqu'à l'année prochaine. On va faire une revendication. À moins que on arrive à entraîner Cologne dans une guerre avec vous. En même temps, Cologne est alliée à moi. Francfort, Luxembourg et Goslar. Cologne, c'est le seul qui vote pour moi. On va quand même pas l'emmerder. Alors, qui va devenir électeur? Plutôt un état lointain là. Problème, c'est que là-bas, ça risque de devenir plutôt ça, Salzbourg. Accord électorat. Donc normalement c'est pour nous. Très bien. 1, 2, 3, 4. Là ça vote n'importe quoi. Alors certes, je peux virer les princes hérétiques. Hein. Ça c'est sûr, faut que je le fasse. Mais la priorité c'est vraiment d'aller chercher. Il faut aller chercher
L'éther. Alors non, les princes hérétiques font quand même sacrément mal. Hein. Et les terres font pas si mal que ça. Si je pouvais me débarrasser des princes électriques hérétiques, on s'en sortirait. Quoi qu'il en soit, premier truc à faire, c'est intégrer la Bohême. En juin 1580. J'aurais espéré juste un tout petit peu plus tôt, quoi. Ça, c'est sûr, j'ai pas pris les doctrines d'influence ni les expansionnistes. Les religieuses, j'ai du mal à. Ah, ça me donne un casus belli sur eux, quand même. Pour les princes hérétiques, c'est vachement pratique. C'est quand même vachement pratique pour les princes hérétiques, mais encore faut-il que je les touche. Lunebourg, Ditmars. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'entraîner Mayence indirectement? Alors, Lunebourg, Anhalt. On va voir si on peut entraîner Mayence. J'arrive à entraîner le Palatinat et Mayence, tout à fait. Et pas le Palatinat qui entraîne Mayence. Mayence et Palatinat est toujours là. Je dis Kochberg. Il n'y a plus Mayence. Il faut coucher Berg. Très bien. Je dis Koch Dortmund. Il y a toujours Mayence. Mais il n'y a plus le Palatinat. Donc on va garder Dortmund. J'enlève Goslar. Donc il faut garder Dortmund et Berg. Münster. Brunswick. C'est Brunswick qui entraîne Dortmund et Berg. Là, j'ai plus Brunswick. Berg et Dortmund. Ok. Donc là. J'entraîne Palatina et Mayence. Ça peut paraître un peu violent. Mais, Concile de Trente, nous devons décider de notre position, la réforme du catholicisme. Mais, c'est parti. Alors ici, utiliser recouvrant des réserves, morale, prestige, coût de construction, modif d'impôt, coût d'annexion diplomatique, moins 10%, c'est toujours ça de gagner. Alors, intransigeante, puissance des missionnaires, propagation des institutions, résistance à la réforme. Amélioration des relations, puissance des missionnaires contre les hérésies. Opinion sur les hérétiques. Combien j'ai de puissance des missionnaires contre les hérésies? 10,5. Donc on aurait 5%. Je pense que ça passerait très bien. Mais en même temps, ça passerait pas. Alors. Opinion sur les hérétiques plus 5, non. Allez hop, intransigeante. Zou.
Commence guerre des guerres contre d'autres religions, tolérance envers les hérésies, propagation des institutions, modification des réserves nationales, opinion sur les hérétiques. Ouais, ça est très bien, mais c'est la violence. Cologne, tu viens avec moi? Merci, même si je suis pas convaincu que tu serves à grand chose. Ah, et quand même, ça va aller plus vite là. Donc, l'Empire est en guerre. Moins 0,8, ça va continuer à baisser, certes, mais avec un peu de chance, je vais peut-être pouvoir. Alors, au prix d'un coût énorme en expansion agressive, parce qu'il faut que je prenne plein de terres au Palatinat, et je ne sais pas encore comment faire. Mais peut-être que je pourrais manger de là Würzburg et Cotebourg, et ensuite commencer à prendre là. Je pourrais donner ça à Palatinat, et je pourrais donner ça à Cologne. Je pourrais donner toutes ces terres à Cologne. Ouais. Convertir Palatina, parce que convertir Palatina enlèverait pas le nœud, je pense pas. C'est sa capitale est là. Donc, ça reste à voir. Ça reste à voir. Peut-être que je peux juste prendre sa capitale, la donner à Cologne. Et encore s'il voudra, je suis pas sûr du tout. On verra. On essaiera de trouver un moyen de se frayer un chemin, peut-être en vassalisant un pays à côté et ensuite en pouvant prendre. Peut-être que je pourrais vassaliser un tout petit truc. Je suis en guerre contre quoi? Ouais, si je vassalise Trèves, par exemple. Trèves qui. Mayence, Cologne, Palatinat, Lorraine, Salzbourg. Trèves qui n'est pas un électeur. Si je vassalise Trèves. Je peux prendre ça et ça. Et peut-être donner ça à Bohème. Je sais pas. Faut que je trouve un moyen de passer. On va voir ça lors du prochain épisode. Je vais essayer de simuler pour voir ce qui se passe. Ça va être un petit peu compliqué parce qu'il faut que je redonne toutes les provinces. Et voir quand on fait la paix, pour voir comment se déplace naturellement la capitale et si j'arrive à purger l'hérésie comme ça. Bon, sinon, on va de toute façon, là, dans cette guerre, pouvoir purger l'hérésie de Mayence, plus pas mal d'autres. Hein. Anhalt, non. Wolfgast, oui. Verdun, non. Ulm, non. Donc pour l'instant, on n'en a qu'un. Trèves, oui, deux. On en a deux. Palatina 3, de toute façon on purge l'hérésie. Mayence 4. Lunebourg 5. Lorraine. Lippe 6. Dortmund. Normalement 7. Dithmarse 8. Brunswick non. Berg non. Et Anhalt, 8. Donc, déjà, on va pouvoir enlever 8 princes hérétiques sur les 21 en faisant ça. Donc, c'est la solution, hein. Cocher, cocher, cocher. Depuis qu'ils ont mis ça, c'est vraiment un grand, grand bonheur pour nous. Ça nous permet de sortir les gens un par un et de systématiquement leur demander de changer de religion en faisant des grosses guerres. Et ce, sans expansion agressive, hein, puisque les changer de religion ne prend aucune expansion agressive. Bon, j'ai un problème d'argent. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.